Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Criminal Case. C'est parti! La dernière fois, on a fini le chapitre 2 de l'enquête numéro 2. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que c'est la suite, là, enquête secondaire. Je sais pas ce que c'est, on débloque. Qu'est-ce que ça donne? Attention, félicitations pour votre première grosse affaire, adjoint Stéphane. Vous avez l'étoffe d'un grand policier, ça ne fait aucun doute. Mais nous avons découvert que Brown avait reçu une grosse somme d'argent sur un compte offshore. Je le savais! Je suis sûr que Marconi l'a payé pour tuer Ned Dillard. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord. Mettez la pression à Dave Simon. Il sait peut-être quelque chose. Il rôde autour de la scène du crime. Vous devriez retourner là-bas le plus vite possible. Et sur le chemin du retour, passez par la supérette. Joe Stern a demandé notre aide. Bien, chef, on s'en occupe. Alors apparemment, quand tu finis les 5 étoiles d'une scène de crime, eh ben, elle coûte plus que 5 éclairs. Hey, Simon, qu'est-ce que vous faites ici? Cette scène de crime est interdite au public. J'ai perdu mon stylo la dernière fois et que je suis venu ici. Moi, c'est mon stylo fétiche, vous comprenez? C'est avec lui que je signe tous mes contrats. Votre stylo fétiche, hein? Non, je déconne. Adjoint Stéphane et moi allons le chercher maintenant. Allez-vous-en. Son stylo fétiche. Est-ce que Simone veut vraiment nous faire avaler ça? Allez, Stéphane, fouillons cet endroit et découvrons ce qu'il cherchait vraiment. Alors, Joe, vous vouliez voir adjoint Stéphane? Oui! Vous savez, ces connards de gangsters avec leurs tatouages de serpent? L'un d'entre eux est venu dans mon magasin et a farfouillé dans mes étagères. Il a fui quand je l'ai surpris, mais je suis sûr qu'il a caché un truc. Un tatouage de serpent? C'est mauvais signe, c'était certainement un membre des vipères. Stéphane, si tu connais pas encore ce gang, tu ne vas pas tarder à le découvrir. Avant, ce n'était qu'une bande de petits dealers, mais ces derniers temps, ils semblent mieux organisés. Très bien, monsieur Stern, adjoint Stéphane et moi allons fouiller le magasin pour essayer de trouver ce qu'il a caché. Allez, c'est parti pour le jardin d'Alain Bourdon, on doit trouver un objet, je sais pas ce que c'est. Alors, document taché, d'accord, donc ça doit être ça. Oh, je suis un BG! Est-ce que c'est un nouveau truc? Ok, nouvel indice. D'accord, bah c'est plutôt pas mal. Pas de stylo, mais ces documents que tu as trouvés dans le jardin ont l'air intéressants. Tiens, le nom de Marconi y figure. Et il y a aussi ce qui ressemble à un numéro de dossier. Mais je n'arrive pas à le lire à cause de ces taches de boue. Tu crois que tu pourrais retrouver ces chiffres, Stéphane? Ah, boîte de cookies, c'est un nouveau truc, ça. D'accord, ah, parce que c'est un indice pour toi, une boîte de cookies. Ok, d'accord. Une boîte de cookies? Enfin, Stéphane, ce n'est pas l'heure du goûter. Mais effectivement, on dirait qu'elle a été ouverte et qu'on a fouillé à l'intérieur. On ferait mieux de vérifier qu'elle ne cache rien de suspect. On est chaud à examiner un petit peu les cookies, là. Et hop, on a ouvert la boîte de cookies, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop là, hop. Oh, mais vas-y, c'est long, là. Vas-y. Oh, mais c'est long. Oh, mais comment c'est long, Oh, vas-y, mais ils ont tout mis devant, quoi. Oh. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un sachet de poudre. C'est génial! On va pouvoir faire des crêpes avec de la farine. Je déconne. Bon alors, finalement tu avais raison, Stéphane. Et Joe aussi. Quelqu'un aime bien rajouter du sucre glace sur ses cookies. Cette poudre blanche m'a tout l'air d'être de la cocaïne. On ferait bien d'apporter cette poudre au labo pour que Grace l'analyse. Il faut savoir d'où elle vient. Ouais, c'est parti, on va scanner tout ça, qu'est-ce que c'est? Alors... bah ça doit être du ZAD ou du ZAB. Ouais bah ZAB. Hop là, ça donne quoi? On est bon. Après on a dû acheter O. Voilà. Après on a dû fine, voilà. Hein? Bah ouais, bah, on va pas se cacher, on est des bons nous. Oh, non mais on est génial. Bah c'était pas très compliqué, seulement on attendait pas un numéro normalement. Enfin je sais pas, j'avais pas bien compris, regarde. Ouais, non, c'est pas écrit là, mais je sais pas, je crois qu'on avait parlé de numéro tout à l'heure, hein. Ah, je suis pas sûr, mais je crois. Hein. Regarde, en plus, c'est écrit là, regarde. Phil number. C'est pas des numéros du tout, hein. Bien joué, adjoint. Ce n'était pas évident de décoder le numéro trouvé dans ces documents, mais tu as réussi. Espérons qu'Alex trouvera à quoi correspond ce numéro de dossier, et la raison pour laquelle le nom de Marconi figure dans ces documents. J'ai les résultats de l'analyse de la poudre que vous avez trouvée dans la boîte de cookies. Il s'agit bien de cocaïne et pas de la meilleure qualité. 20% de cocaïne et 80% de substances sucrées, généralement utilisées comme laxatif. Ha, dommage que notre homme n'en ait pas pris un peu avant de quitter la supérette. Ça aurait été plus facile de suivre sa trace. Sérieusement, on saisit de plus en plus de cette cochonnerie dans la zone industrielle ces temps-ci.
Il faut qu'on prévienne Joe Stern qu'un membre des vipères risque de revenir chercher sa dope et qu'on fasse surveiller le quartier. J'ai terminé. Le numéro que tu as trouvé dans ces documents correspond à un numéro de parcelle au cadastre. Et elle appartient à Marconi. Ah, et ça a quelque chose de suspect? On peut dire ça. Marconi voulait acheter plusieurs propriétés appartenant à Ned Dillard. Or, il est indiqué que Ned a refusé son offre. Alex, tu es un génie! C'est pour ça que Marconi a voulu faire tuer Ned! C'est loin d'être suffisant pour inculper Marconi, mais bonne idée, Stéphane. On peut en toucher deux mots à Simon pour voir si ça le fait réagir. Vous aviez raison, Joe! Adjoint Stéphane a trouvé un sachet de cocaïne caché dans votre magasin. Quoi? Oh non, qu'est-ce que je vais faire s'ils reviennent le chercher? Ne vous en faites pas pour ça. Des officiers de police en civil vont patrouiller le quartier pour assurer votre sécurité. Je n'en peux plus de ces voyous. Ils vont finir par faire couler mon affaire. Eh bien, je vous remercie de votre aide, adjoint Stéphane. Prenez ça en cadeau de la maison. My big burger! Vous avez trouvé mon stylo fétiche? Pas vraiment, mais on a autre chose pour vous. C'est un stylo. Arrêtez vos conneries et mettez-vous à table. Grâce aux documents que vous avez perdus, on a découvert que Marconi voulait récupérer les biens immobiliers de Ned. Vous ne trouvez pas que la coïncidence est fâcheuse? Je ne suis au courant de rien. Monsieur Marconi m'a uniquement engagé pour vendre cette maison-là. Écoutez, on est quasiment certain que c'est Marconi qui a tué Dillard, et adjoint Stéphane n'abandonnera pas tant qu'on n'aura pas la preuve. Je ne vous dirai rien sur Monsieur Marconi. Et si vous voulez pas d'ennui, je vous conseille de ne pas mettre le nez dans ses affaires. Bon sang, j'étais persuadé que cela je finirais par balancer Marconi. Un peu de patience, Stéphane. Un jour, Marconi commettra un faux pas, et tu seras là pour mettre un terme à ses magouilles. Bon, on a terminé notre enquête 2, donc j'ai gagné une médaille. Bon, ça fait plaisir. C'est quoi ça? Vous avez remporté un pack de stickers pour avoir terminé... Je m'en fous, en fait. Voilà, vous avez déverrouillé une nouvelle page de votre album. C'est génial. Ok, ouais. Donc, on a terminé l'enquête secondaire de l'enquête numéro 2. Ça fait plaisir. Voilà, donc je suppose qu'il n'y a plus rien à faire là-dessus. Ok, voilà. Et encore, enquête suivante. Ok, donc ça, c'est l'enquête suivante. Après, c'est quoi? C'est... on peut carrément faire le mode élite, rejouer cette enquête depuis le début, tu sais, pour remporter des anneaux spéciaux et tout, enfin... Oh, je m'en bats les... Oh mais... Waouh, bien comme il faut, quoi. Ok, donc ouais, on peut débloquer l'enquête suivante, mais c'est pas tout de suite, hein. Ok, la prochaine fois, on fera la première enquête, qu'on n'a pas encore terminée. Et puis voilà, donc ça, c'est plutôt cool, quand même, hein, comme délire. Et on va faire comme ça maintenant, on va faire enquête par enquête, enfin, chapitre d'enquête par chapitre d'enquête. Ça sera déjà beaucoup mieux. Et donc du coup, moi je vais vous laisser sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis n'oubliez pas, c'était cool.